Nous sommes à Erzermatt, là où les appels arrivent. C'est, disons, le point plus important parce que quand il y a un problème, c'est eux qui vont répondre, bien sûr, au téléphone. Vous voyez, il y a deux personnes en ce moment. C'est des journées, bien sûr, bien pleines parce qu'il y a plein d'alpinistes qui sont à la montagne. Donc, le secours doit partir immédiatement. Donc, on va voir eux au travail. Après, on va découvrir toutes, disons, tous les hélicoptères qu'ils ont ici. Alors on est ici avec Sandro dans la centrale de Zermatt, d'Erzermatt. Lui il est en train d'attendre un appel. Voilà, ça peut arriver en quelconque moment. Et à Erzermatt, Sandro? Quand il y a un appel, c'est une fiche qu'ils vont remplir avec tous les données de la personne qui a besoin d'être aidée. Alors nous sommes là avec Gerold Biner, le directeur de Erzermatt. Erzermatt est né plus de 50, il y a plus de 50 ans avec le but finalement de sauver les personnes qui s'approchaient à la montagne. C'est vrai, on était créé surtout pour cette raison parce que la vallée elle était souvent bloquée, la neige, chute de pierre. Et mon chef, Monsieur Perrin, il a vu la nécessité de créer quelque chose pour avoir un accès toujours en bas dans la vallée où il y a aussi l'hôpital. Alors après 50 ans, vous avez aujourd'hui à peu près 2000 interventions par année. Cela donc justifie à plus forte raison, disons, ces 50 ans d'histoire. Mais à côté de cette partie très importante, vous avez développé aussi d'autres interventions, c'est-à-dire la partie de tourisme, bien sûr. Oui, absolument. Bon, tout au début, on avait créé la compagnie justement pour les raisons qu'on avait juste discutées. Mais c'était des pionniers à l'époque parce qu'ils ont créé des nouvelles techniques de sauvetage. Et puis après, on a vu aussi la nécessité d'avoir un hélico pour la construction en haute montagne. Et puis aussi, on a vu que c'est bien d'avoir un hélico pour les vols de plaisance. Et finalement, c'est devenu important pour toute la destination Zermatt d'avoir un accès d'héliport dans le village. Ça fait depuis 50 ans justement qu'on fait aussi le vol de nuit, les sauvetages de nuit. Et là aussi, tout au début, c'était des pionniers, personne n'a fait jusque-là, puis on a toujours développé. Et puis, ouais, c'est important d'avoir cette... je dirais ce service public qu'on fait au nom du canton de Valais. On a un contrat et d'ailleurs on travaille aussi souvent dans la région, aussi dans le Val d'Aoste. Alors souvent on va aussi en Italie et puis vice versa. Quand vous partez pour sauver, vous avez un hélicoptère qui est parfaitement équipé. Il y a donc un médecin, bon bien sûr la personne le chauffeur de l'hélicoptère, un médecin et un aide-médecin. Oui, c'est ça. Et puis quand on va dans les montagnes, on a toujours un spécialiste avec. C'est un guide de montagne, un guide sauveteur qui est formé spécialement. On a une équipe de 10 guides montagne qui sont formés
Et puis eux aussi, ils font un service 24 sur 24. Et ça c'est payé par la commune. Bien, après 50 ans, 10 hélicoptères. Oui. Combien de pilotes sont avec vous? 10 pilotes, et puis il y a encore 3-4 en freelance. On vole entre 5000 et 6000 heures de vol, c'est beaucoup. 70 000 rotations de transport, charges externes. On a environ 10 000 personnes chaque année qui font le tour du Cervin. Alors, ouais, je pense que c'est un service qui est assez bien. Eh bien, compliments, Gerold, et bonne continuation. Merci et auguri à vous. Merci. Alors nous sommes à Zermatt, nous partons maintenant pour aller rencontrer Monsieur Markus Aschler. Nous partons donc de la ville de Zermatt, nous faisons le premier morceau jusqu'à Fury. Ici à Fury, on rencontre Monsieur Markus et après on continuera jusqu'au Matterhorn Glacier Paradise. Vraiment tout nouveau, mais je ne vais rien vous dévoiler parce que je veux vous raconter tout à fur et à mesure. Alors nous sommes ici avec Markus Aschler, le directeur général. Avec lui, on va voir ce qui a été fait jusqu'à présent et bien sûr parler du futur. Alors Monsieur Markus, Matterhorn Glacier Paradise nous permet d'arriver à 3883 mètres, donc la station plus haute d'Europe. Un beau défi qui a été gagné. Oui, c'est juste. Mais moi je pense que les pionniers, c'était les personnes qui ont construit la première télécabine jusqu'à le petit Cervin. Et moi, ça c'était une grande œuvre. Maintenant, on a doublé cette connexion et on a eu un grand succès l'hiver passé aussi. Maintenant, le premier l'été qu'on est en fonction avec cette installation. Il y a 28 télécabines entre guillemets normales, mais 4 sont un peu spéciales. Oui, on a pensé qu'il faut avant tout pour l'été, pour les touristes d'été, avoir une attraction supplémentaire. Et ce sont 4 cabines avec 28 places qui sont ornées du Swarovski. Et ils ont, comment on dit ça, le fond, ça c'est du verglas. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a traversé le second pylon. Ce verglas vient clair, alors le verglas s'ouvre et est visible. On a la vue sur le glacier et sur les rochers. Et sur le pylon 3, ça se ferme. Ah, d'accord. Et pour venir retour du sommet en bas, ça c'est la même chose. Pylon 3, ça s'ouvre. Et pylon 2, ça se ferme. Donc celui-ci, on peut dire que c'est un projet de passage envers le prochain projet qui est encore plus important pour vous, parce que ça va faire en sorte qu'il va relier avec la partie de Breuil-Cervinia, n'est-ce pas? Il est important de donner aux personnes, aux touristes, la chance de faire connaissance de la nature. Et pour faire connaissance de la nature dans haute montagne, on a besoin des moitiés des transports. Bien sûr. Et ici dans les montagnes, on a les cabines, les télécabines. Et comme ça, si on a fait cette connexion, on a vraiment la chance de commencer à Cervinia jusqu'à Zermatt avec les cabines et les télécabines, faire un voyage à part les montagnes, entre les montagnes, sur les glaciers, qui est très très important et très impressionnant. Et autour, ici à Zermatt, ça c'est une zone protégée. Et une zone protégée fait sens
qu'on a aussi la chance de visiter cette zone et de voir cette zone. Ouais. On va vous revoir dès que sera ouvert. Okay. Ouais, c'est merci. Bien. Merci encore. Devant les télécabines spéciales, les Crystal Ride, vous voyez, il y a des Swarovski pour, soigner aussi le côté, on va dire, d'esthétique. C'est des spéciales télécabines qui vont nous réserver une vue particulière qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors, je monte. Bien sûr, la qualité, on la voit tout de suite, vous voyez. La télécabine a été dessinée par Pininfarina. Donc voilà un projet qui relie la partie technologique avec la partie aussi de beauté et de design. Alors, les trois caves que nous avons vues permettent, disons, une stabilité même en cas de fort vent. C'est une télécabine qui est vraiment à haut niveau, construite par Liner, qui peut être considérée, bien sûr, au top à niveau mondial de technologie. Cette télécabine nous permet donc de traverser le glacier et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pylon au milieu. Donc un câble unique qui collègue juste au sommet, tout au sommet. Au sommet, nous sommes à presque 4000 mètres d'altitude. La vue est époustouflante. Regardez-moi ça, le glacier, on y est en dessous. Donc nos pieds peuvent maintenant être finalement sur le glacier. Nous arrivons au top, au sommet. Une grande expérience qu'on vous souhaite vraiment de faire parce que le fait d'avoir cette vue magnifique et d'arriver à 3883 mètres, c'est quelque chose d'unique. Donc voilà, si vous venez à Zermatt, ne perdez pas cette expérience. Et de là, on va découvrir encore ce qui va être le futur pour relier le Val d'Ost, bien sûr, à Zermatt. Nous sommes partis de Zermatt à 1620 mètres jusqu'à Fury 1867 et voilà que nous avons pris la télécabine pour remonter jusqu'ici. Alors ici c'est la dernière partie, Matterhorn Glacier Paradise, et là on est à 3883 mètres. Le nouveau projet va relier Matterhorn Glacier Paradise avec la tête de Brise. J'ai à mes épaules le Breithorn, 4164 mètres. Les skieurs sont en train de descendre de ce côté. On est là donc au lieu où les Val d'Autun et disons, les gens qui viennent de Zermatt peuvent se rencontrer. L'idée, le projet futur, c'est bien sûr celui de faire, disons, partager ce spectacle, de pouvoir faire la rencontre des personnes, que pas seulement pour les skieurs, mais aussi pour les personnes qui viendront à pied. Donc voilà, on va bientôt visiter le chantier qui est, disons, dont on prévoit la fin pour 2021. Et si vous tombez amoureux en haute montagne, pas de souci, vous pouvez le faire ici, vous pouvez accrocher votre signe d'amour pour toujours. Tu, Klaus, ti sei occupato di questo progetto e anche di altri progetti? Per il momento io ho fatto queste. Sì. Adesso quello è 2007. Ho fatto l'ascensore a basso in grotta ghiaccio, okay. 2008 ristorante, okay. Dopo l'ascensore tutto sopra. Hai fatto tutto tu? No, quasi. Io operaio.
Grazie Klaus, grazie davvero. Grazie. E buon lavoro, ci vediamo nel 2021. Sì? Grazie. Vedere sicuro ancora una volta. Grazie. Ancora un petit bijou, le Glacier Palace, vous venez le découvrir avec moi. Et nous voilà dans le royaume des glaces. Et finalement, j'ai mon trône. Et nous voilà finalement donc dans ce monde complètement sous zéro, un monde spécial, c'est une vraie surprise qu'on retrouve tout au bout de ce paradise. Donc un vrai paradis au milieu de neige. Bravo Zermatt. Très bien, merci. Tout bien. Merci de nous accueillir dans ce splendide hôtel. Donc vous êtes le chef de cuisine. Oui. Moi, grand chef. Heinz Gouffipar. Je suis le chef de cuisine de Grand Hôtel Zermatt et Wolf. C'est un honneur pour nous de vous connaître. Merci. Vous avez envie de nous faire découvrir ce magnifique hôtel? Volontiers. Merci. On y va. Alors, Heinz, vous êtes, disons, un grand chef, une étoile Michelin, depuis quand? Il est arrivé le mois de février. 2019? Cette année, oui. Le premier étoile pour le Grand Hôtel Zermatt et Groff. Et pour vous, l'émotion, c'était beaucoup? Oui, c'était vraiment, c'est toujours un rêve d'un cuisinier, l'étoile Michelin. Et le vous y êtes arrivé? Et c'est l'année, il est arrivé. Compliment. Merci beaucoup. Et maintenant, vous allez me démontrer, me montrer votre royaume, la cuisine. Voilà. Nous sommes ici dans la cuisine, dans le laboratoire de pâtisserie. Nous avons ici avec nous le pâtissier qui vient d'Hongrie. Il nous a montré un gâteau bien sûr à forme du cervin qui sera servi bientôt pour un mariage pour 150 personnes. Donc ici vraiment on a vu que le soin est soit pour les petites quantités mais aussi pour les grandes. Et c'est seulement une grande équipe, une équipe qui est formée quand même de 20 personnes en cuisine qui peuvent assurer un service de cette qualité. On continue la visite. On est encore à nouveau dans une nouvelle ambiance. On voit que ici votre défi est un peu celui de toutes les fois surprendre vos hôtes. Parce que toutes les fois on a une salle qui est complètement différente avec un esprit toujours très, disons, de haute qualité, mais ça change. Là, où est-ce que tu m'as amené? Ici c'est le Sei Cheese. C'est un restaurant seulement pour le fromage. On a préparé ici trois différentes raclettes. Et puis différentes fondues, le fondu de fromage avec différentes choses comme champagne, comme truffe, comme safran. Est-ce que, à ton avis, on peut partir de Zermatt sans avoir toute la fondue? Oui, je pense pas. Aussi quand je vais à la montagne aussi, moi je veux manger une fondue, une raclette. C'est ça. C'est traditionnel en Suisse. C'est ça. Voilà.
Alors Corinne, l'idée de ce hôtel spécial, un 4 étoiles au milieu de Zermatt, ça vient d'où? Alors c'était mon grand-père qui a construit l'hôtel dans les années 62 et mon père qui a fait après. Et maintenant avec moi c'est déjà la troisième génération. On sent très présent le thème, c'est-à-dire quelque chose d'un peu spécial. Vous me racontez pourquoi vous avez choisi ce thème? Mon père, il a des moutons nés noirs et on a reconstruit l'hôtel, on a nouveau fait un bâtiment et on a pensé, oui, c'est vraiment quelque chose de spécial de Zermatt, on va faire le thème un peu partout. Ouais. Et vous dites que votre papa même a donc une étable avec des moutons? Oui. Oui. Donc il est éleveur? Oui, avec son frère et son ensemble, ils en ont environ 300 moutons. Wow. C'est un grand hobby. Je peux témoigner qu'on a hyper bien dormi. Super. Et ça nous a donné cet hôtel, c'est vraiment souple et chaleureux comme le mouton. Voilà, on a vraiment envie de se faire chouchouter par le mouton. Oui. Et vous avez donné cette envie dans notre expérience. Donc vraiment merci pour cet accueil. Merci. On peut visiter une chambre pour donner envie aussi aux autres de venir vous voir? Oui, volontiers. Merci. Alors on dort ici avec les brebis qui surveillent notre. On dit que pour bien dormir, il faut compter les moutons. Tout à fait, oui. C'est il comme y ça. En a combien de moutons dans cet hôtel? Il y en a... On n'a jamais fini à compter. Ok. On est toujours endormis. Le concept, oui. C'était donc de garder la tradition, mais on voit qu'il y a une touche de très haute qualité à niveau de confort. On a vu dans les salles de bain les petites lumières, la douchette, c'est vraiment le très haut confort, mais dans la tradition. Oui, oui, c'est moderne, mais quand même tous les petits détails qui sont très importants pour nous. Est-ce que pour vous, le fait d'être fille d'hôtelier, ça a été un choix de continuer dans cette lignée? Ou bon, vous étiez là, donc finalement, c'était à vous de reprendre le sac sur les épaules et continuer. Non, c'était toujours mon choix. Quand j'étais une petite fille, c'était toujours mon rêve. Oui, mon rêve. Parfait. Faire ça. Oui. Et vous avez des enfants? Oui. Et ils continuent un peu? On espère, on essaye. oui, ils aiment bien les clients. Ils sont. Oui, ils grandissent ici. Oui. Parfait. Oui. Eh bien, encore merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Alors, si vous avez envie de bien dormir à Zermatt, ben ici, c'est le grand paradis. Après une journée de visite dans la montagne, on est bien sûr content de se reposer un petit peu. Et alors, merci à l'Hôtel Europe qui nous offre ce moment de relax dans sa très très belle spa. On a eu la chance de voir Zermatt, une ville qui nous a réservé beaucoup de surprises. On a connu la chaleur, l'accueil et la professionnalité. Je vous invite donc de venir au plus tôt la connaître. Et souvenez-vous que Zermatt, c'est juste de l'autre côté du Cervin, donc ne manquez pas ce rendez-vous. À la prochaine!